Dès notre plus jeune âge, on aurait tous aimé pouvoir conduire une vraie voiture. Certains ont même joué aux voitures imaginaires étant petits. La télévision était depuis toujours un des passe-temps favoris de toute la famille. Même si actuellement beaucoup de choses ont changé. Dans les publicités, les jouets occupent une grande partie, surtout sur les chaînes spéciales enfants et adolescents. Et une des plus grandes stars reste les voitures de toutes les sortes, de toutes tailles et de toutes fonctionnalités. Si on vous dit voiture miniature, beaucoup de choses peuvent vous passer par la tête. Une voiture téléguidée peut-être? Une petite représentation pour la collection ou autre. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on ne va pas parler des petites voitures classiques. On va vous parler des 6 voitures innovantes pour les enfants, des voitures qui peuvent être conduites, des voitures nouvelle génération mais en version mini. Donc si vous êtes prêts, on va tout de suite commencer. Ah oui, vous connaissez, mais ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le dès maintenant. Et n'oubliez surtout pas d'activer toutes les notifications en cliquant sur la petite cloche afin d'être au courant des news high-tech. D'ailleurs, tous les produits que nous allons vous présenter se trouvent dans la description sous la vidéo. Allez, go, on y va! Pour commencer, on va voir l'ATA Lamborghini 12V Style, qui est une mini-voiture électrique sous licence de la marque Lamborghini, pour enfants de moins de 30 kg. Le poids total à vide de ce petit engin est de 14 kg. La matière principale utilisée dans sa conception est le plastique. Les portes de cette Lamborghini Mini s'ouvrent vers le haut. Elle est aussi dotée de suspensions avant et arrière. Le petit utilisateur peut commander cette voiture à l'aide des boutons de marche avant et arrière qui se trouvent à l'intérieur, mais également à l'aide d'un volant et d'une pédale. Toutefois, elle peut être commandée par les parents via une télécommande Bluetooth externe. Sur son tableau de bord, on peut trouver 2 entrées pour USB et carte SD qui prennent en charge les périphériques compatibles pour lire des fichiers musicaux. Le son sort directement des haut-parleurs de la voiture. Lorsque la voiture démarre, les feux arrière et les phares se mettent en marche. La vitesse maximale atteinte par cette ATA est de 5 km/h. Ensuite, nous allons voir l'UNJOY 12V Mercedes-Benz SL500, qui est un modèle mixte pour enfants de 1 à 6 ans. Le constructeur a intégré des chansons et des histoires pour enfants dans le tableau de bord. À part cela, il est équipé d'un port USB et d'un Bluetooth pour une lecture personnalisée. La radio y est également disponible. Dotée de son volant, de son levier de vitesse et de sa pédale, cette petite SL500 est facile à conduire pour le plus grand bonheur des enfants. Une télécommande parentale permet également le pilotage et la gestion des vitesses. Concernant les caractéristiques techniques, ce modèle est doté de 2 puissants moteurs de 12 volts. La batterie de 7 ampères-heure est rechargeable et ne permet pas de mettre en marche l'engin quand elle est en charge. La vitesse maximale de cette Mercedes est aux environs des 3 à 5 km à l'heure. Voyons maintenant les dimensions du produit. Il fait 122 par 69 par 52 cm. La charge maximale qu'elle peut supporter est de 35 kg. Pour la suite, nous allons voir l'Audi TT RS 12V qui possède une licence officielle de la marque allemande Audi. Son poids à vide est de 14 kg. Cette petite voiture est idéale pour les enfants de 1 an à 6 ans. Sa carrosserie est faite entièrement de plastique. Un des points forts de ce modèle est la possibilité d'ouvrir les portes comme sur les vraies voitures. Concernant les commandes, elles peuvent être faites manuellement par l'enfant via le volant, la pédale et les boutons de marche avant et arrière, et même une petite boîte de vitesse, ou par télécommande via une tierce personne qui est généralement un des parents de l'enfant. Sur le tableau de bord, on trouve, comme pour les précédents, un port USB et SD pour la lecture musicale personnalisée pendant la conduite. Au démarrage de la voiture, des lumières LED émises par les phares se mettent en marche. Ce modèle est doté de 2 moteurs sur chaque roue arrière pour une stabilité et une meilleure expérience de conduite. Un indicateur de batterie se trouvant sur le tableau de bord affiche en temps réel la charge restante. Pour recharger cet engin, il vous faut une demi-journée, entre 10 à 12 heures en tout, pour une autonomie maximale d'une heure et demie. Côté vitesse, elle atteint son maximum à 5 km à l'heure.
Continuons toujours et voyons à présent le Homecom 4x4 Quad Buggy, une voiture électrique pour enfants de 3 à 8 ans. Avec design de voiture off-road, super solide et tout-terrain. Il est doté de plusieurs effets lumineux et sonores. Son siège est vraiment ergonomique et confortable pour une conduite agréable et une grande sensation. L'expérience de conduite est optimisée par ses différentes fonctionnalités techniques comme la puissance de son moteur et la vitesse réglable. Une initiation à la vraie conduite d'une voiture. Dans son intérieur, le tableau de bord est équipé d'une interface USB, d'une radio, d'un écran affichant les lectures de musique via carte mémoire. Elle est dotée d'un bouton de démarrage et d'un écran d'affichage pour le niveau de batterie restant. La vitesse maximale peut aller de 3 km à 7 km à l'heure. Il est quand même utile de mentionner que son utilisation sur la voie publique doit être sous la surveillance permanente d'un adulte. Le véhicule est composé de plastique et de métal. Pour l'autonomie, comptez une bonne heure d'utilisation avant de pouvoir la recharger pendant environ 12 heures. Le moteur de 12 volts a une puissance de 2 x 45 watts. La charge maximale sur cette quad buggy ne doit excéder les 30 kg. Ensuite, nous avons le Christom Volkswagen Arteon, qui est une voiture électrique avec un moteur de 12 volts qui est doté d'une puissance de 45 watts. Elle est équipée, comme pour les précédentes, des interfaces audio comme la radio, les lecteurs USB et carte mémoire. Le poids à vide est de 39 kg. Une télécommande Bluetooth est également mise à la disposition des parents pour la contrôler. Pour optimiser la sécurité de l'enfant pendant la conduite, ce véhicule est équipé d'une ceinture. Pour la sortie audio, des haut-parleurs ont été installés à l'intérieur de ce Christom. Cette voiture est idéale pour les enfants de 3 à 8 ans. Une clé de contact rend l'utilisation d'autant plus réaliste. Le poids qui peut être pris en charge sur ce modèle est de 30 kg maximum. Sur cet engin, le nombre de places est de 2. La vitesse maximale est sans surprise puisque la même sur ce type d'appareil de 3 à 5 km à l'heure. Par contre, le temps de charge pour sa batterie varie de 8 à 12 heures. La présence d'un adulte lors de l'utilisation sur une voie publique est toujours requise. Enfin, nous avons la Riricar RSX Buggy qui est idéale pour les enfants de 3 à 8 ans. Est une voiture électrique 2 places dotée d'un moteur de 24 volts. Elle est dotée d'une télécommande de contrôle pour les adultes, en plus de la commande manuelle effectuée directement par l'enfant à l'aide du volant, des boutons et d'une pédale. La batterie est de 2 x 12 volts. Les spécificités rares que possède cette petite Riricar, c'est la fonction 4 roues motrices et la fonction arrêt d'urgence. Elle est également équipée d'une clé de contact, toujours pour une utilisation plus réaliste. Ces quatre moteurs entraînent toutes les roues pendant qu'elles roulent. Concernant les vitesses, elle en possède 4, dont 3 avant et une pour la marche arrière. Tout cela fait d'elle une véritable voiture tout-terrain. Les dimensions sont respectivement 142 par 83 par 81 cm. Son poids à vide est de 38 kg et le poids maximal de l'enfant ne doit excéder les 35 kg. Sa vitesse maximale est de 3 à 7 km à l'heure pour une durée de conduite de 2 à 3 heures. Le temps de recharge est largement inférieur aux autres qu'on a vus précédemment, il est de 5 à 8 heures seulement. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Si vous l'avez aimé, appuyez sur le pouce bleu et dites-nous en commentaire quelle voiture avez-vous préférée. D'ailleurs, retrouvez plus d'informations concernant tous ces produits directement dans la description avec tous les liens Amazon. Pensez aussi à vous abonner et activer la cloche de notification. En attendant, je vous dis à très vite. Au revoir mes amis.